Something is happening. Something big. Something amazing. Eye catching. Jaw dropping. Breathtaking visual. Is coming. Right in front of you. Meet the new Phoenix. More fun. More interesting. More exciting. With X. VS Phoenix X.
quoi. Moi, je peux commander le master aussi, si tu veux. Je connais pas les noms, par contre. Le bleu et noir. Alors, je sais qu'il y a Ludo qui est en noir. Et après, je crois que c'est Renan, je crois, le... il me semble. Hein. En direct. Allez, c'est parti pour la finale Masters. Il y a 1-0 pour Ludovic et nous sommes sur un cricket. Alors pour ceux qui m'ont reconnu, c'est Will Wary aux commentaires. Nous sommes en finale Masters avec 3 manches gagnantes. Il y a toujours 1-0 pour Ludovic qui joue en noir avec les lunettes. Et ça joue vraiment très très bien. Pour info, la finale pro va opposer Thibaut Tricol à Stéphane Neschbauer. Tu seras avec Bertrand Le Bigot. C'est en combien de manches? En 4 manches la finale Cette manche, le numéro des 4. Ouais, c'est best of 7, c'est ça. Premier ordi à 4. Et ça joue vraiment bien en Masters. Wow. Là, ça fait 2-0 pour Ludovic. Et le premier rendu, je crois qu'en master, c'est quoi? Le premier rendu à 4 ou le premier rendu à 3? Premier rendu à 3? Et c'est Ludo qui redémarre le 500. C'est une belle finale puisque ça joue vraiment très bien. Jonathan, c'est le moment d'accélérer un petit peu. De 5 manches, donc en fait c'est best of 5 quoi, le premier rendu à 3. Et là aussi Masters c'est pareil aussi, c'est pour le Masters là, le premier rendu à 3. Il y a 2-0 pour Ludo. Ah
Il n'y a pas de placement pour Ludo. 176 à 192. Un beau 150 le met très bien. Très beau placement de Jonathan, 142. Il va avoir un petit peu de presse pour la jouer. Et ça revient à 2-1 pour Jonathan. Quatrième manche donc de cette finale. Master, donc je rappelle, avec un voyage à Séoul pour le champion. Donc pour le vainqueur du Master, ça sera un voyage à Séoul, au Summer Festival, qui est vraiment une belle étape. Allez, c'est parti pour le cricket. Et mon ami Bertrand Le Bigot vient de me rejoindre, hein, ah bah, pour une belle finale Masters. Exactement mon Will, je viens d'arriver. Et ça joue pas trop mal je trouve. Ah mais tu sais que le niveau monte de plus en plus. Hein, et, on le voit que... finale Masters, c'est des mecs qui devraient jouer en pro déjà presque. Presque. En tout cas, les supporters sont là. Il n'y a vraiment pas de souci. Une belle réponse de Ludo. Ça se bagarre sévère. Hein. Ah oui. Ça joue vraiment très très bien. Ça joue bien. Ça pose bien les flèches au bon moment. Ouais, c'est propre. Ouais, c'est propre. Ça revient dans la partie. Ça continue. Ouais, ça envoie des 6 touches, des 5 touches, des 6 touches. Ouais, hein. Jolie 6 touches pour reprendre l'avance. Ouais. Ça pose les bonnes flèches au bon moment. Aïe 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 aïe, je pense que là... La messe est dite, comme on dit dans le jargon des flèches. Ouais. Hein. Ah, puis en plus, il appuie là où ça fait mal. Hein. Ah ouais. Et une bonne bulle pour finir. Ah non, je pensais qu'il aurait joué la bulle.
Il vient quand même faire 3 fois 6 touches d'affilée. Hein. Ouais, c'est un niveau Masters plutôt très intéressant, une finale vraiment où ça joue vraiment très très bien. Des deux côtés, hein. Ça se bagarre bien. Et ça gagne, et ça revient de partout. Deux manches partout donc, pour cette finale. Et on va avoir une jolie belle. Une belle belle, ouais. Une belle belle pour le titre. Le champion 2018 du Super Master. Voilà, avec un beau tirage de bulles. Et que le meilleur gagne entre Ludo et Jonathan. Là, il faut avoir des nerfs. Ah ouais. Il y a de l'enjeu au bout. Ah oui, il y a un beau titre avec un beau voyage. S'il vous plaît, essayez trois titres pour cette bulle. C'est à côté pour Ludo. On sent la pression. Ouais. On sent la pression. Il avait fait une belle première bulle, mais elle n'est pas restée. Et il la met quand même. Il la prend. Il la prend quand même. Allez, c'est parti pour un 500 final. Avec en 1 Jonathan et en 2 Ludo pour le titre. Eh ben, on va dire que Bertrand, que le meilleur gagne. Ouais, ça là, ça va être le meilleur ou celui qui a le plus d'honneur ou... Enfin bref, ça va... Voilà. Ça va pas jouer à grand chose. Je pense pas. C'est celui qui va être le plus solide. Ouais. Joli départ. C'est un joli départ, oui. C'est bien rattrapé ça. Ah, ça recolle. Ouais, c'est... ça recolle, ça recolle. Il y a l'avantage d'être au premier tableau. C'est tout à fait ça. Ouais. On dit que premier tableau avec deux bulles, on peut y arriver. Je pense que... Il va falloir... Ah, ça hésite. Soit une bulle 159, on ne peut pas fermer puisque Phoenix, c'est finish double. Triple 19 serait bien joué. Voilà. Sur 152. Il reste 152 pour triple la gagne. Triple 20, 32. S'il vous plaît. Il lui met la pression. Et voilà. Et maintenant, Jonathan à 90 et Ludovic à 32. Le premier, c'est Jonathan pour la gagne. Bulle. Et double 20 pour la gagne. Et ben bravo. Bien joué. Et ben bravo à Jonathan. Voilà, champion de France Jonathan avec une belle fermeture à 90. Voilà. Et oui,
comme on le disait, premier tableau, il était avantagé. Eh oui, généralement dans les fléchettes au 501, le premier tableau gagne souvent. À 80%. Bravo à Jonathan. Something is happening. Something big. Something amazing. Eye catching. Jaw dropping. Breathtaking visual. Is coming. Right in front of you. Meet the new Phoenix. More fun. More interesting. More exciting. With X. VS Phoenix X.